Tadia Hao, aujourd'hui je vais vous parler de l'application WeChat. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Comme j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur cette chaîne que je vous remettrai juste ici, WeChat est une application qui est très très populaire en Chine, utilisée par énormément de personnes et on ne peut pas vraiment faire l'impasse sur cette application si on souhaite se rendre en Chine, que ce soit pour le tourisme ou pour aller y habiter. Les Chinois utilisent cette application pour absolument tout dans la vie, c'est-à-dire qu'on peut chatter avec ses amis, partager des moments avec eux, poster ses photos, mais on peut aussi payer, régler ses factures, louer un vélo, réserver des places de cinéma, faire énormément de choses en fait avec cette application. Et tout est réuni en une seule et même application qui est WeChat, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez WeChat en Chine, en fait, vous n'avez même plus besoin d'avoir votre carte bleue avec vous, vous n'avez même plus besoin d'aucune autre application puisque tout est inclus à l'intérieur et c'est quand même très très pratique. J'ai eu pas mal de commentaires et de mails qui me disaient que vous aviez du mal à utiliser cette application, que ce n'était pas très intuitif, que vous ne saviez pas comment lier votre carte bleue, etc. etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une formation pour vous apprendre à utiliser WeChat de la meilleure des façons. Donc dans la formation, on va tout simplement ensemble créer un compte WeChat, donc de A à Z, et je vais vous montrer comment utiliser toutes les fonctionnalités de l'application. Donc ça va commencer par créer un compte, et puis ensuite on va également apprendre à chatter, à poster des photos, à partager des choses avec ses amis, à envoyer des enveloppes rouges, à lier une carte du coup de crédit pour pouvoir payer avec l'application. On va apprendre justement à payer avec cette application aussi grâce à la formation, toutes les différentes méthodes qu'on peut utiliser justement pour payer. On va apprendre à utiliser les mini-applications, mini-programmes qu'il y a dans WeChat. On va apprendre en fait à se servir de toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir sur cette application et ça va vous permettre donc d'avoir une première approche de l'application puisqu'elle vous paraissait compliquée d'après ce que vous m'aviez dit. Donc pour rejoindre la formation, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a juste en dessous de cette vidéo en description et vous pourrez commencer immédiatement. Vous aurez un accès instantané donc à la formation vidéo où tout vous est expliqué et vous aurez donc des capture d'écran de mon téléphone pour vraiment avoir le process complet et pouvoir à votre tour créer un compte WeChat et vous servir de ce compte en permanence quand vous serez en Chine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire si vous avez du mal avec des fonctionnalités WeChat en particulier ou si au contraire vous aimez beaucoup cette application, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans la description de cette vidéo donc vous retrouverez le lien vers la formation WeChat mais également des guides gratuits qui devraient vous plaire pour apprendre le chinois plus facilement. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.